messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision. Vous regardez votre magazine ActuBuzz. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de vous servir, de vous savoir très nombreux à suivre cette émission axée sur l'actualité politique ou, je dirais, l'actualité dans toutes ses facettes. On va faire le point aujourd'hui sur trois principaux sujets. D'abord, des révélations très graves et troublantes sur l'affaire Floribert Chebeya. Les policiers, Paul Mugabo a témoigné hier devant la cour militaire de Ndolo. Il a affirmé avoir participé à l'assassinat de Floribert Chebeya ainsi que de son chauffeur Fidel Bazana. On va essayer de revenir sur cette question avec des détails tels que fournis par les policiers Paul Mugabo. L'actualité, c'est aussi les dossiers RAM. Le ministre Augustin Kibasa a répondu hier aux préoccupations des députés nationaux et la motion de défiance initiée contre lui a été rejetée, ce qui a suscité la colère dans les camps du Front commun pour le Congo. Plateforme chère à Joseph Kabila, ces députés nationaux ont décidé de quitter la salle pour manifester leur mécontentement. L'actualité, c'est aussi la semaine nationale du tourisme organisée dans la province de Lualaba, précisément dans les chefs-lieux Kolwezi, où plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, sous bien évidemment l'accueil de Madame la gouverneure Fifi Masuka Sahini. On va essayer de revenir sur cette affaire, mais aussi les 1 milliard de dollars ramenés par le président de la République depuis les Émirats Arabes Unis. Quelles sont les conditions qui ont fait que le président puisse bénéficier de cette enveloppe? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau Maître Mardoché Nsele, à qui je m'en vais dire bienvenue, Maître. Merci, Hervé. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. Très bien habillé, très merci. Chic, très élégant. Merci beaucoup, mon frère. Un peu comme... Bon, je pense que tu voudrais encore me parler de Fayoulou ici. Fayoulou pour faire sa marche. Moi, je ressemble à moi-même. Je salue le professeur Taylor Lebarin. Hein. Ok. Ça a été toujours un modèle pour moi. C'est un monsieur bien que j'ai toujours aimé. J'ai toujours cherché à copier aussi quelques des qualités. Très bien. Je le salue là où il est. Je salue tous les Congolais partout où ils le suivent. Nous sommes ici juste pour servir notre population. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a des révélations troublantes. Parce que les gens ici crient à gorge déployée. J'ai vu même les autres tirer à bout portant sur le président public, Félix Tshisekedi, croyant que Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi a fait beaucoup de promesses, Tshisekedi, il est en train de sombrer, il est en train de mentir et tout ça. Or, ce sont de propos qui relèvent de leur imaginaire. C'est juste le fruit de l'acharnement qui ne répond sur rien. Très bien, on va y revenir. En réalité, tu sais qu'il fait un grand travail, un grand travail qui est vraiment apprécié de tous. Et même si on n'a pas les yeux pour voir, je sais qu'il y a même quelques pays africains qui réclament Tshisekedi à la tête de leur pays comme président. Très bien. Martin Fayoulou et la coalition Lamouka seront de nouveau dans la rue les 16 octobre prochain. Martin Fayoulou ne se laisse pas faire, hein. Il va encore marcher. Mais pas se laisser faire, il faut comprendre la motivation de Martin Fayoulou. L'autre fois sur Yeba TV, j'avais dit aux Congolais que Fayoulou, c'était un enfant issu des mariages, ou soit l'union d'un sorcier et un fou. C'est-à-dire, autrefois, ils peuvent donner naissance à quelqu'un qui est à moitié fou, à moitié maboule. Excusez-moi, ce n'est pas des insultes, c'est juste une illustration. Comment expliquer que Fayoulou a marché ensemble avec Kabila à l'époque? Vous connaissez... Il a marché avec Kabila? Oui, bien sûr. De quelle manière? Fayoulou que tu vois là-bas, il a partagé le pain ensemble avec les FCC, majorité présidentielle à l'époque. Oh, comment ça, Fayoulou, qui n'a jamais été membre actif au sein du PPRD ou d'un parti proche? Il exerçait un pouvoir positif de manière... Non, nous vous disons la vérité. Même si les gens ne savent pas reconnaître, quand il est arrivé, il était... il avait le venin du kabilisme à lui. Et il arrive à l'UDPS, on l'allaite. Et il a une petite dose de légitimité. Et directement, il a la possibilité de tirer sur l'UDPS. Même jusqu'à aujourd'hui, Fayoulou ne reconnaît pas les avancées significatives enregistrées dans ce pays. Et c'est que tu sais qu'il commence à reconnaître. Non, il ne peut pas commencer à reconnaître. J'avais suivi son meeting dernièrement au niveau de Sainte-Thérèse. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Le travail de l'IGF. Je ne suis pas d'accord avec Fayoulou sur ce point. Il a été d'accord sur certains points. Vous avez ce pays. Il a évolué un peu. S'il vous plaît, Hervé, la République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays qui mérite des dirigeants comme de Fayoulou. Ce sont des dirigeants sentimentaux. Ce sont des dirigeants qui agissent en fonction d'une appartenance tribano-ethnique. Des dirigeants qui voient que leurs intérêts... Parce que moi, je ne sais pas pourquoi Fayoulou s'encharne à Tshisekedi. Si réellement c'était un intellectuel, comme les gens le disent,
Pourquoi il ne peut pas reconnaître que Tshisekedi sort du le pays du gouffre? Fayulu, qui était avec Tshisekedi, reconnaît les compétences de Tshisekedi lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, Tshisekedi a le pouvoir, mais il sort de sa réserve pour l'attribuer des sobriquets qui ne concordent pas avec ce que Tshisekedi est. Voyez. Et il va plus loin jusqu'à s'attaquer à la vie privée d'un président de la République. Parce que Tshisekedi n'a pas dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Tshisekedi, c'est un démocrate. Il va passer, les institutions vont rester. Très Mais bien. Il a besoin de léguer des mérites, des gestions des institutions. Ouais. Aujourd'hui, l'opposition est maudite. L'opposition du Congo, elle est maudite tellement que c'est une corporation des illettrés en costume, excusez-moi les termes. Si je vais aller plus loin pour parler de Moïse Katumbi. Dur, hein? Mais oui! Et regarde Moïse Katumbi. Et regarde Fayulu. Mais Katumbi n'est pas dans l'opposition. Katumbi est avec vous, papa. Non, vous êtes de la société civile. Suivez Katumbi. Katumbi est dans l'Union sacrée. Katumbi est biface, mon frère. Katumbi, là, il est, même s'il est dans l'Union sacrée, il est dans l'Union sacrée sur le plan formel. Mais dans le fond, Katumbi est dans l'opposition. Mais c'est ça, ces chantres, ces atalocs qui disent ça tout le jour, que nous sommes dans l'opposition constructive, une opposition républicaine. Lorsqu'il faut applaudir, nous applaudissons. Lorsqu'il faut refuser, nous refusons. C'est pour vous dire que tous ces gens n'ont pas besoin d'accompagner ce pays à travers son représentant. Je voudrais ajouter quelque chose. Rapidement. Vous savez, lorsque je dis que l'opposition, elle est maudite, c'est que nous n'avons pas eu deux opposants sous Félix Tshisekedi qui peuvent identifier le vrai problème. Le vrai problème est là. Le chef de l'État travaille, mais le Congo ne peut pas fonctionner sans opposition. Vous comprenez? Mais nous avons besoin des opposants, n'est-ce pas, qui fondent leur opposition sur les insuffisances du pouvoir, qui s'attaquent aux individus et poussent les gens à la haine. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que ce sont des illettrés en costume. Ils parlent français, mais ils ne sont pas instruits pour diriger les institutions. Ils ne sont pas instruits pour éduquer la population. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi, Félix, travaille, mais ceux qui veulent le travail, ils applaudissent. Mais ceux qui ne veulent pas aussi ne peuvent pas applaudir parce qu'ils Très sont bien. Avec les Vraiment, pas. Vraiment, les premiers termes de l'émission, ce sont des révélations troublantes, des révélations qui font très mal. Paul Mugabo, un policier, a témoigné hier au niveau de la cour militaire de Ndolo. Il affirme haut et fort avoir participé à la mort de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana qui étaient son chauffeur. Selon ces policiers, Paul Mugabo, il a dit ceci. Après avoir tué Floribert Chebeya, ça c'est d'ailleurs une version qu'on connaît pratiquement déjà, ils ont pris son corps sans vie, ils l'ont placé à bord de sa propre voiture, puis ils sont partis les jeter au niveau du quartier Mitendi. Concernant les corps de Fidel Bazana, qui était le chauffeur de Chebeya, il a été enterré dans la ferme privée du général Djadidja. Je crois que c'est à Mongafula. Et pire encore, il y a eu une fête qui a été organisée après. Et tous ces meurtriers ont été récompensés de $50 américains. Alors, lorsque vous essayez un peu de suivre ces récits, tels qu'ils relatés par Paul Mugabo, ces policiers, et puis il précise encore que l'ordre venait de Christian Ngoyi, sous la supervision de Daniel Mukalai et de John Numbi. Lorsque vous essayez un peu de suivre ces récits tels qu'ils relatés par ces policiers, qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, ça fait mal. C'est aujourd'hui que le Congolais réalise que sous le régime de Kabila, l'intégrité n'avait pas sa place. Les gens qui ont combattu pour la liberté d'expression, le respect des droits justiciables, le respect des droits et libertés de Congolais. Ce sont ceux-là qui ont été précipités. La plupart des gens qui militaient pour les valeurs, la gestion et des institutions, le respect de ce peuple, ont été lâchement abattus. Je prends l'exemple de Floribert Chebeya. Floribert Chebeya, est-ce qu'on pouvait faire mal à la police? Est-ce que Floribert Chebeya pouvait inquiéter l'armée? Floribert Chebeya pouvait faire mal qu'à l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui avait ce système de transgresser le rôle de la République, laisser la population souffrir, c'est en fonction de ses suffisances, ses calamités que Chebeya est sorti de sa réserve pour défendre le Congolais à tout prix. Vous connaissez l'histoire avec Mamadou Diamayala en 2006-2008, je pense. C'était la même chose. Le droit de l'homme était bafoué. Il y a eu de l'impunité. Et comme dans l'armée et la police, il y a eu infiltration, nous avons connu des personnes qui n'ont jamais fait l'armée. Des gens, on appelle ça de ramassis. On a pris quelqu'un quelque part,
On sait qu'il est capable de faire mal, il est capable de les tuer. On les convertit aujourd'hui, il devient policier, il devient... Et directement, il a un titre. Il peut parler français, on a dit, je ne comprends pas. Mais il n'a pas la déontologie professionnelle. Il n'a pas l'énergie positive à défendre le pays, défendre sa population, et c'est bien. Et regarde l'avènement de la disparition de Chebeya avec Fidel Bazana. Mon frère, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu des frissons lorsque je me rappelle cette histoire. Je ne sais même pas pourquoi Kabila est en liberté jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas Kabila. Non, non, ça n'engage que moi. Il y a des noms qui sont cités ici. Moi, je sais que les noms qui sont cités. Moi, je pose des questions. Nous sommes en train de réfléchir. Allez-y. Qu'est-ce qui fera? Qu'est-ce que Bazana avec Chebeya? Qu'est-ce que Bazana et Chebeya représenteraient comme danger pour notre armée? Armée! La police avec des armes et un civil à main nue, mais qui défend les intérêts de son pays et de son peuple. Est-ce qu'il peut faire mal à la police? Non. Je pense que les dirigeants du passé devraient tous être arrêtés pour des mesures d'enquête. Et ça pouvait aller même jusqu'au niveau de la présidence pour mener des enquêtes. La vie de Chebeya est très précieuse. Chebeya jouait un rôle très important au sein de cette République. Et beaucoup de Congolais, les mêmes, vous avez vu, il y a eu des Congolais qui étaient... Donc, beaucoup de gens sont arrivés au bout de leur nez parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait manifester pour manifester le mécontentement pour la disparition de Chebeya et de son chauffeur? Et aujourd'hui, John Numbi a pris tangente. Il est sorti du pays. Il est sorti du pays. De quelle manière? Il est sorti comment? Alors qu'il était déjà Caleb Mouton, recherché par la police. Il a fui comment? C'est-à-dire qu'au sein des institutions aujourd'hui, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour la République, il y a des gens qui ne travaillent pas pour Félix Tshisekedi, mais ils sont là pour se cacher parce que cette affaire, il y a beaucoup de grosses légumes qui vont tomber. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent, qui ne veulent pas que cette histoire aille de l'avant. Ils cherchent à étouffer de l'œuf. Il faut mettre la justice dans l'obscurantisme pour que la justice ne puisse pas s'exercer. Moi, je vous dis même, dans le système de sécurité actuel, il faut le dire qu'il y a des gens qui ont contribué à cette affaire, mais qui sont dans des institutions. Sous l'ombre, on ne sait pas le voir. Qui pouvait croire que ces policiers devraient réunir le courage de faire ce genre de dénonciation? Parce qu'il sait nécessairement qu'aujourd'hui, même si je dénonce, je pourrais toujours aller en prison. Mmh. Est-ce que quelqu'un peut accepter de dénoncer pour un bouchon de pain? C'est que ça, c'est le patriotisme. Et vous faites ça, on vous récompense avec 50 dollars. Ils peuvent réunir 50 dollars dans une semaine. 50 dollars vers les années 2010, c'était encore dans les 40 000 francs, mais je crois. Écoutez, pour 40 000 francs, vous allez sacrifier la vie de votre frère. Qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, qui ne vous a pas manqué du respect, qui ne vous a pas insulté, mais qui ne représente même pas un danger pour son peuple. Mais une personne qui représente l'espoir des Congolais. Et pire encore, on va attribuer des fausses accusations autour de Chebeya, c'est comme quoi il était avec des prostituées. Imaginez. On va jeter son corps comme ça. Or, Chebeya, c'est un monsieur intègre. Très intègre. On va placer des préservatifs à côté. Partout. J'ai aimé le travail de la police scientifique qui a fait un rapport exact. Que normalement, il a été assassiné. Il a été parce que l'assassinat est différent du meurtre. Ah ouais. Dans l'assassinat, la particularité, c'est qu'il y a la guet-apens. Il faut mettre des barrières, il faut la préméditation, il faut préparer cet acte et puis enfin l'acte positif. Et Chebeya est parti dans la honte. C'est une honte pour le régime Kabila. Et ce n'est pas seulement ça, mon frère. Vous vous imaginez à l'époque où nous réclamions ici les élections en 2015. Il y a des têtes de jeunes qui sont tombées ici au niveau de la RTNC. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Ce sont des dossiers sensibles. Nous voulons la justice pour le Congo. On a parlé nous voulons la justice au niveau des Maloukou. Bien sûr. Les fausses communes, la même chose. Vous avez vu, je me rappelle l'époque où Étienne Tshisekedi Wamulumba, derrière ce moment, il a atterri à Ndolo pour réclamer la population, récupérer la population en Dili. J'ai vu des têtes tomber, c'était la même chose. Et vous allez me dire les instructions qui ont été données. On peut donner l'ordre de tirer sur la population sans que la présidence soit au courant, c'est une question que nous avons posée. C'est pourquoi nous disons que le jour où la justice serait faite pour Chebeya et tous les autres qui ont disparu, les Congolais seraient même à 50% satisfaits. Et nous mettons en garde tous ceux qui cherchent à nous étouffer, nous menacer parce que nous sommes en train de parler de cette affaire, que nous, on ne lâchera pas. Il s'agit de gens de nos frères. On ne peut pas accepter dans notre propre pays. Nous devons militer pour le respect des droits de l'homme. Nous devons militer pour le respect de notre peuple. Et l'élan du développement, aujourd'hui, regarde avec l'avènement de l'alternance
l'accession de Félix Tshisekedi à la République. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons jamais connaître, mais nous l'avons connu. Il y a beaucoup de libertés qui étaient étouffées, mais aujourd'hui, les gens sont à l'aise d'exercer leurs droits. Et même si les gens ne veulent pas accepter, c'est que Tshisekedi a arrêté un système très sale, difficile à comprendre. Il fallait même 6 ans, 5 ans pour comprendre le système et ses faiblesses, afin d'imposer un autre système qui peut satisfaire le peuple et nous amener à notre salut. Alors, nous voulons que l'affaire Chebeya, c'est une affaire qui doit, on doit recommencer cette affaire à zéro, mener des enquêtes professionnelles et mettre la main sur les auteurs de cet acte. Et ils doivent sévèrement être punis. Vous parlez des enquêtes, on doit revenir à zéro. Aujourd'hui, il y a Christian Ngoyi qui était le chargé des opérations, selon les témoignages de Paul Mugabo, les policiers. Christian Ngoyi qui appliquait les instructions reçues de John Numbi et de Daniel Mukalai, est aujourd'hui à la prison de Ndolo. Hier, pendant l'audience, il avait refusé de comparaître. Il a préféré s'enfermer dans sa cellule. Daniel Mukalai, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le général Djadidja, dont la ferme a servi de cimetière pour qu'on puisse enterrer Fidel Bazana, le chauffeur de Floribert chez Béa, je ne sais pas également ce qu'il est devenu. John Numbi lui-même est en cavale, nous ne savons pas où il se trouve, mais est-ce qu'aujourd'hui il est possible qu'on puisse mettre la main sur tous ces gens afin que la vérité soit vraiment tirée ou soit mise à jour? Vous savez, le droit où le système judiciaire de notre pays souffre encore. On doit adapter les enquêtes, n'est-ce pas, à l'évolution du monde, à la nouvelle technologie. Parce qu'il y a des disciplines connexes qui peuvent accompagner la justice à bien s'exercer. Imaginez-vous, il n'y a même pas un système de contrôle au niveau des péages, au niveau des sorties, au niveau des frontières. Ça n'existe pas. Mais les Congolais ne manquent pas l'argent de mettre en place ce genre de système. C'est possible. En même temps, comment expliquer un officier supérieur des étrangers, John Numbi, peut sortir facilement du pays et se retrouver en Ouganda? Tantôt il est en Zimbabwe, tantôt on ne sait pas exactement. Vous allez voir un calé-bouton ici à Kinshasa avec des tenteurs de grands secrets d'État. Prendre tangente, fourre le pays, aller à l'exercice pour conspirer contre ce pays ou je ne sais pas. Et les services de renseignement de ce pays, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont juste basés sur les systèmes traditionnels des micros? Ou ils utilisent quoi en fait? Parce que nous sommes en train de voir l'FBI, comment est-ce que l'FBI fonctionne? C'est quoi? Donc le système de sécurité du Congo est faible. Et on sait que ce système de sécurité, services spéciaux, il y a des infiltrés qui ne veulent pas servir les intérêts du pays, mais qui veulent mettre de la peinture sur la matière fréquente, qui veulent garder ce genre de choses sales qui fait mal aux Congolais sans être punis. Nous voulons que si réellement ils veulent avoir, faire une bonne enquête, ils doivent recourir aux experts. Aux experts. Même s'il y a moyen de localiser ces genres de personnes partout où ils sont. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans notre endroit, dans l'arsenal juridique congolais, ou soit en droit positif congolais, il y a ce qu'on appelle l'extradition. L'extradition, c'est une procédure d'entraide répressive qu'un pays requis accepte de livrer un délinquant se trouvant sous son sol pour un pays requérant. Cette procédure a pour base légale un traité. Par exemple, l'Ouganda, il y a un Congolais qui a commis des crimes, il s'est retrouvé au Ouganda. Il suffit que le procureur général de la République fasse une lettre. Mais sauf erreur de ma part, il y a quelques mois ici ou quelques semaines, la justice avait lancé un mandat d'arrêt international contre John Numbi. Bien sûr. Mais là, il fallait maintenant qu'on les recherche. Et la justice du pays doit collaborer avec la justice du pays dans lequel il se retrouve. On dit le pays requis, c'est le pays dans lequel il a commis l'infraction. Le pays requérant, c'est le pays où il est ressortissant. Alors, on doit collaborer pour que ces messieurs soient arrêtés, transférés dans son pays pour qu'ils soient jugés. Parce que là, en quelque sorte, nous pouvons dire que de la commission rogatoire, c'est différent, c'est comme au sein du pays, d'une province à une autre, une juridiction à une autre. Mais ça, c'est un État à un autre. Tu vois, c'est ça ce qu'on appelle l'extradition. Je pense que ce serait possible qu'on mette la main, parce que le jour où Numbi serait arrêté, jugé, condamné, je pense que les Congolais seront satisfaits. Et en même temps, il faut prendre des mesures, n'est-ce pas? Des mesures robustes, des mesures qui peuvent aussi contraindre les officiers à ne pas exécuter les ordres mal donnés. Parce que nous avons une théorie en droit qu'on appelle la théorie de l'autorité hiérarchique supérieure. Cette théorie aussi a trois autres théories, parmi lesquelles il y a l'obéissance passive. Vous comprenez? Lorsque vous commettez des forfaits, lorsque on vous donne un ordre mal donné, vous ne pouvez pas l'exécuter.
vous ne pouvez pas l'exécuter parce qu'aujourd'hui, même la responsabilité tombera aussi sur vous. Mais est-ce que dans cette police ou dans notre appareil sécuritaire, où malheureusement, ceux qui exécutent des ordres n'ont peut-être pas des niveaux requis pour comprendre qu'un ordre est mal donné, on ne peut pas l'exécuter. Est-ce que c'est possible qu'on puisse combattre ces fléaux? C'est possible. C'est toujours une question de volonté. Parce que vous savez qu'il faut réformer aussi la police. Mais déjà avec des policiers dont les niveaux intellectuels posent un sérieux problème. C'est ça, parce que dans la police, on ne peut pas prendre des illettrés. De faire tout ça. Il faut prendre tous les illettrés et les envoyer dans l'armée. Qu'ils aillent là-bas au front, combattre les ADF. Prendre les étudiants qui sortent des universités avec une bonne dose de la prétéose du savoir. Les convaincre à devenir des policiers. Des policiers qui peuvent donner aussi le goût, n'est-ce pas, aux autres, de devenir aussi comme eux. Pas des policiers illettrés, pas des policiers qui fument à tout moment, pas des policiers qui intimident. Des policiers qui insultent. Excusez, avec cette brigade des Oudjana sur la rue, vous voyez, sur la route poids lourd. Exactement. Ils demandent, ils sont devenus les policiers de circulation routière. Ils sont là, ils intimident tout le monde, ils arrêtent, ils intimident et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ces gens. Ils manquent du respect à tout le monde. Très brutal. Vous voyez? Alors, une unité comme ça, ça va servir à quoi? Oh, vous appelez ça des mal nécessaires? Est-ce qu'on nous avons besoin de policiers pareils? Mais comment est-ce qu'on pouvait créer l'amitié entre la police et la population? Avec ces chars d'unité d'illettrés, des bandits, des couloirs que vous avez recrutés ici et là, et convertis en policiers sous le drapeau de la République, ces gens se comportent comme des petits couloirs et des petits kamikazes. Et actuellement, si vous circulez la nuit, vous croisez un policier, mais il faut... Mais la nuit d'abord, c'est trop loin. Il faut en tout cas courir. Pendant la journée, il te regarde, il te dit, tu ne représentes rien au conseil, il y a un mon conseil. Tu t'imagines un peu? Un policier qui manque du respect à son peuple n'a pas sa place au sein de ce pays. Il peut aller peut-être à Kabakanyama, c'est pour aller faire le service de la suite. Très bien, on va clôturer les dossiers chez BM. Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on puisse mettre la main, je reprends ma question, sur tous ces gens qui sont impliqués directement ou indirectement dans le meurtre de Chebeya et de Fidel Bazana? Remonter même jusqu'au plus haut niveau. C'est possible. C'est possible s'il y a de la volonté. C'est possible s'il n'y a pas de secret à cacher. C'est possible si les enquêteurs, parmi les enquêteurs, il n'y a pas ceux qui ont contribué au meurtre ou à l'assassinat de ces grands leaders. Mais je sais. Mais s'il y a de la volonté même dans le chef du président de la République, parce que c'est lui-même le magistrat suprême, je pense que les enquêtes doivent être faites. Et on peut mettre la main sur tous ces individus et ils peuvent être sévèrement punis par la loi. On ne risque pas d'apprendre dans les jours qui viennent qu'il y a encore des gens impliqués dans l'affaire Chebeya qui ont quitté le pays, comme ce fut le cas avec John Numbi. Bien sûr. Mais vous savez... On fait quoi pendant ces moments de nos frontières? Non, mais ceux qui seront dans les villes de la justice doivent être jugés condamnés. Très bien. Mais ceux qui seront à l'échelle du pays, on peut le condamner aussi à coutumasse. Très bien. On va prendre le deuxième thème de l'émission, dossier RAM. Le ministre Kibasa Augustin a répondu hier aux préoccupations des députés nationaux et la motion de défiance initiée contre lui a été rejetée. Le FCC a quitté la salle pour exprimer son mécontentement. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous comme tout le monde qu'on a sauvé Kibasa Maliba pour contraindre la population à la souffrance? Vous savez, hein, je vous avais dit la fois passée, que la taxe RAM n'était pas du tout mauvaise. Mais moi, je n'ai pas vu les motivations. Les mobiles qui soutiennent cette taxe. C'est ça, les Congolais ont besoin d'explications. Les élus avaient raison, mais je ne partage pas le même point de vue avec les FCC. Non. Le FCC, parce que c'est sous les FCC que les Chebeya sont morts. C'est sous les FCC que Fidel Bazana a été enterré dans la ferme privée de Djadidia. C'est sous les FCC où on a tiré à bout portant sur les enfants en uniforme. C'est sous les FCC où on perdait plus de 15 milliards. C'est sous les FCC où il y a eu des désordres dans le Parlement ici. Ce n'est pas ce genre de zombies qui peuvent nous faire de l'injure morale. Les FCC avaient prévenu déjà. Je vous allez voir les députés de l'Union. Les Congolais ne peuvent jamais... Vous mettez les dos aux Congolais. Non. Dans cette affaire RAM. Mais écoute, ce sont des aventuriers qui tombent sur l'opportunité pour se faire une santé politique. Mais ce qui est vrai, c'est que si Kibasa a apporté des motivations ou des raisons qui ont convaincu des élus, je trouve que moi, je ne peux pas m'interposer. Moi, mon problème, c'est que la taxe RAM, elle est bonne. La taxe,
C'est bien pour générer des risques. Mais la procédure dont on soutire déjà les unités pose problème. Mais c'est ça qu'il fallait des améliorations. Je pense qu'on peut faire, lui soumettre de quelques propositions d'amélioration dans le processus de collecte de ces taxes. Mmh. Alors, voir dans quelle mesure on peut le faire pour ne pas léser les gens. Très bien. 7 dollars, mais vous ne pouvez pas prendre 10 dollars. Hein? 7 dollars, vous ne pouvez pas prendre 50 dollars comme ce que Kibasa fait. Aujourd'hui, j'entends dire que c'est la présidence qui gère la taxe RAM. On s'en fout, mais nous ne voulons pas qu'on nous vole les unités dans nos téléphones comme ça. Nous ne voulons pas. Mais en ce qui concerne le retrait de la motion de défiance, si en tout cas le ministre a apporté des motivations claires qui ont convaincu les élus, moi je ne trouve pas par là où je peux m'opposer. Et si cette taxe servira aux intérêts des Congolais, je suis d'accord. Très bien, on va terminer l'émission avec la Semaine nationale du tourisme au niveau de la province des Lualaba. Qu'est-ce qui a motivé le ministre national du tourisme à opter pour les Lualaba comme province qui devrait accueillir cette semaine nationale du tourisme? Qu'est-ce que les Lualaba détient comme site touristique pour qu'on puisse les choisir comme province qui devrait accueillir cette semaine? Vous savez, Hervé, c'est une bonne question. Je voudrais vous dire aujourd'hui que la province du Lualaba, c'est une province qui d'abord, c'est dans cette province où on trouve la souche du fleuve Congo. Le fleuve Congo commence au Lualaba, dans la province du Lualaba. C'est là où le fleuve Congo tire sa souche. Et la deuxième des choses, la province du Lualaba a beaucoup de potentialités touristiques et culturelles. Mais je ne veux pas dire qu'elle est la première, parce qu'il y a beaucoup de provinces, comme la province du Kasaï, avec le royaume Kuba, avec le Lunda, avec le Chambwanda. Il y a des sites touristiques dans la province du Kasaï. Mais la province du Lualaba en a aussi beaucoup. Jusqu'à couper le souffle, vous comprenez? Et en dehors de ça, la province a été ciblée en fonction des avancées qu'on a enregistrées en termes de développement, infrastructure, maximisation des recettes pendant l'intérim de son Excellence Madame Fifi Matsuka Saini. C'est aujourd'hui, vous avez vu, que le ministre national, sous l'œil du président public Félix Tshisekedi, la province a été ciblée pour que cet grand événement puisse se dérouler. Et c'était un grand succès. Moi, je dis que c'est un honneur pour... nous, les Lualabais, nous avons eu la chance, n'est-ce pas, de connaître cette journée, soit cette semaine touristique, et beaucoup de Lualabais étaient honorés par la présence de beaucoup d'autorités qui sont venues de partout. Et je sais que c'est quelque chose de bien, c'est juste un début. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont se passer au Lualaba, et bientôt, je vous dis, il y aura l'inauguration de plusieurs ouvrages qui ont été déjà lancés par Madame Fifi Matsuka Saini sur le plan des infrastructures. Parce que doter la province des infrastructures, ce n'est pas facile. C'est juste qu'il faut avoir de la volonté politique. Et le chef de l'État, aujourd'hui, il est tenu au résultat, pas aux moyens. Nous sommes obligés de lui présenter des choses concrètes. Tu vois, des actions à impact visible. Les gens voient, ils touchent et ils sont convaincus. Je sais que tout le monde qui est partout là-bas, quand il est rentré aujourd'hui, ils disent, mais Mardouché, on apprenait de lui, mais le là-bas est converti en chantier. Tout comme aussi, il y a des gens qui annoncent que dans les jours qui viennent, ils vont étaler les à côté de cette semaine du tourisme. Il semble qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais qui n'ont pas réussi. Beaucoup de choses, c'est quoi? Est-ce qu'on était parti partager l'argent au Lualaba et que les autres n'ont pas été servis? Mais ça s'appelle semaine touristique. Les gens sont partis pour découvrir les sites touristiques de la province. Vous voyez, les à côté, là, c'est quoi? Les à côté, c'est quoi? Pour dire que non, le matin, je n'ai pas pris du thé. Les ratés de la manifestation. Ah non! Dans chaque manifestation, il y a toujours des ratés. Même à la présidence, il y a toujours des ratés. Qu'on ne vous trompe pas. On veut nous soumettre des petites réalités juste pour se faire. Je connais le système avec les Quinois. Quand il arrive quelque part, il trouve une petite... Même lié au protocole. Lui va chercher à faire chanter, comment, tout ça. Mais ce n'est pas comme ça. Détrompez-vous avec Machuka, ce n'est pas le système. Si tu vas la faire chanter pour avoir de l'argent, zéro, tu n'auras rien. Alors, tu n'auras rien du tout. Tu prends le nom de Matsuka pour aller la vilipender, dire voilà, et tu vois là. Non, ce n'est pas une femme qui prend les antivaleurs. Elle ne peut jamais corrompre, elle ne corrompt jamais. Alors, j'ai vu Matsuka même... gagne honnêtement et elle fait l'effort de faire gagner la République. Je pense que la manifestation était très très bien passée. Les Congolais étaient très contents. Moi, j'ai vu même quelques ministres être très contents. Quelques amis sur place m'ont appelé, mais écoutez, Madame Matsuka a un travail de tintin ici. Alors, si quelqu'un sort de sa petite réserve pour dire, voilà, Alors, j'ai vu même certains diplomates africains défiler chez Madame la gouverneure. En fait, c'était quoi tous ces défilés?
Bon, vous savez, le profondeur appelle le profondeur. C'est parce que beaucoup de gens connaissent Masuka à la télé, ils n'ont jamais eu la chance de la rencontrer. C'est une femme très intelligente, extrêmement intelligente. Elle est très sage et épanouie. Faut pas tomber elle dans les, faut pas tomber dans les dans les. Non, moi je suis pas dialoguiste. Je vous dis, le jour où Masuka ferait une erreur, je serai la première à tirer sur elle. La première personne à tirer sur elle. Et je te dis la vérité. C'est même touristique. Est-ce que tu m'as vu dans cette histoire? J'étais ici, je faisais mes affaires comme d'habitude. C'est pour vous dire que nous sommes différents avec les dialéguistes. Mais dire quelqu'un est très intelligent, très objectif, ce n'est pas d'idalélo. C'est la vérité. Alors qu'est-ce qui s'est caché je derrière? Je ne suis pas allé danser pour elle. Masuka, c'est une femme très compétente. Mais qui était dissociée de la gestion de la province. Il n'y avait pas moyen que les gens découvrent de quoi est-ce qu'elle était capable. Alors, mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Union Sacrée, la femme est sortie de sa réserve. Elle a prouvé toutes ses compétences. Et je vous dis, si vous la donnez une année, avant ici, alors, rapidement, c'était quoi l'objet de ces différentes rencontres entre les diplomates africains et madame la vous savez, la plupart sont venus juste par rapport à la semaine touristique. Les gens sont venus pour découvrir les potentialités sur le terrain de la province du Lualaba. Il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à venir. Il y a aussi le close, s'il ne faut pas le dire ici, parce que c'est encore en processus, en train d'être mûri pour l'intérêt du peuple. Mais je vous dis, c'est toujours, ça tourne tout autour de l'intérêt de notre population et surtout du Lualaba en particulier. Je sais que Mme Masuka, elle fait toujours l'effort pour demeurer dans le bon. Masuka va passer. La province du Lualaba restera. Mais les gens se rappelleront de ce que je suis en train de dire. Elle serait l'unique femme du Lualaba qui a impacté positivement. Heureusement, Papa Solution avait déjà posé les non, bases. Non, Papa Confusion a vous ici avec 369 millions. Papa Confusion. Très bien, on a terminé l'émission. Alors, rapidement, en une minute, le président était aux Émirats Arabes Unis. Il a bénéficié d'une enveloppe d'$1 milliard. Alors, les gens se posent des questions de savoir, plusieurs questions. Quel est l'intérêt des Émirats Arabes Unis de donner comme ça $1 milliard aux Congolais? Qu'est-ce qu'eux vont gagner après? Est-ce que ce n'est pas du donnant-donnant? Ils nous donnent $1 milliard, puis eux viendront ici pour exploiter nos minéraux, comme c'est toujours le cas. Les chefs avaient déjà dit, avec tout investisseur, il faut toujours 50-50, 50-50. Vous construisez chez vous, nous construisons aussi chez nous. Vous voyez aujourd'hui des gens qui disaient les voyages de Tshisekedi. J'ai même vu Fayoulou dire, oh, t'as mis ma voyage, Fayoulou. Dire, non, les voyages, là, c'est productif. Il n'y a jamais eu un très président bien. Congolais qui sort, il rentre, l'argent va dans la caisse de l'État. Et je m'en vais aussi féliciter Geoffrey Masuka, qui a représenté la province du Lualaba dans les mêmes activités, Émirats Arabes. Aujourd'hui, il a représenté la province du Lualaba parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont passer la province du Lualaba pour découvrir les potentialités et voir dans quelle mesure ils peuvent s'aimer et récolter. Tu vois, et la province gagne ou la République gagne et aussi gagne. Je vous dis bonjour là où vous êtes. Il séjourne maintenant à Dubaï. Très bien. Je sais que les 32 jeeps blindés pour la République, je pense que ça va aller à l'est du pays. Il faut que ça aille là-bas. Parce qu'à Kinshasa, ça fait quoi? Et ça a défilé des mots d'art. Il faut que ça aille là-bas, à l'est, pour servir. Parlant même des véhicules, est-ce que vous avez vu cette image qui circule dans les réseaux sociaux? J'ai vu ça. Quelqu'un apprend, je ne sais pas moi, sa femme, comment conduire avec les véhicules de la présidence de la République. Un véhicule de service. Bon, vous savez, ce qui reste à savoir, hein? Moi je me pose une question. Les véhicules de la présidence, on a dit qu'on ne vient pas. Est-ce qu'il est interdit qu'un conseiller à la présidence puisse utiliser le véhicule de la présidence à ses fins? Non, mais c'est un véhicule à utiliser pendant les heures de service. On ne peut pas les transformer en un véhicule. D'accord, maintenant je voudrais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Je pense que j'avais déjà condamné ça sur Yaba TV. Très bien. Que ça, c'est une façon de salir les institutions. Salir les institutions, dans quelle mesure il fallait même couvrir la plaque. Franchement. Qui exposait la présidence à ce niveau-là. Mais apprendre déjà les auto-écoles ici partout. Et ça ne coûte pas cher, c'est $100. À la présidence, là-bas, il y a beaucoup de conseillers voleurs qui ne travaillent pas, qui bouffent l'argent. On a terminé l'émission, ouais. Marloché. Alors, encore une fois de plus, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Très bien. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.